Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode en carrière joueur sur FIFA. Nous sommes dans les dernières heures de transfert. On continue également donc notre début de saison avec notre nouveau club, le Real Madrid. Mais avant ça, pourquoi je suis resté dans les dernières heures de transfert? Parce qu'il y a eu un gros transfert. Et c'est Kylian Mbappé qui a signé à Manchester United. Alors vous le savez peut-être parce que vous avez fait une petite story. Maintenant sur YouTube on peut faire des petites stories. Donc du coup des fois voilà, je vous ferai des petites stories comme ça, des petites infos qu'il peut y avoir. Donc voilà, Mbappé qui a signé à Manchester United pour 143 millions d'euros. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si Mbappé est toujours au PSG dans votre carrière. Est-ce qu'il a signé dans un autre club? Si vous vous rappelez également du prix qu'il a été acheté. Aujourd'hui on se retrouve donc pour les matchs avec l'Argentine. Donc je pense pas jouer les deux matchs. Donc je pense qu'on va se jouer Uruguay, petit match de championnat face à Oviedo. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc j'ai pas joué le match face au Chili et on a gagné 3-1. Donc voilà, je joue le match face à l'Uruguay. C'est exactement plus le match que je voulais. Au niveau de la composition, on part sur ça. Alors c'est vraiment bizarre quand même de faire jouer Dybala aussi à ce poste-là. Allez, let's go, on est parti. Retour avec l'Argentine, donc ça fait plaisir également. Mais va falloir faire mieux quand même avec le Real Madrid. On a eu des débuts compliqués, mais bon. Il faut pas qu'on s'arrête là. Allez, on est parti. Je pensais vraiment que l'Uruguay avait leur maillot. C'est vraiment bizarre, mais enfin, vous allez me dire, il n'y a pas la Croatie. Bon, j'aurais pu avancer un peu plus. J'ai frappé. C'était clairement pas ça du tout. Allez, let's go. Un bon ballon, ça. Faut pas faire n'importe quoi. Peut-être un petit centre. Ouh. Mais normalement, d'habitude, ça se passe toujours bien avec l'Argentine. Ouh. Et donc du coup c'est très intéressant de voir Mbappé à Manchester United, puisque c'est pas forcément un club que j'apprécie énormément en première ligue. Mais c'est ce genre de transfert qui peut par l'avenir, pourquoi pas, nous faire signer à Manchester United. Parce que bon, jouer avec Mbappé, on va pas se cacher, c'est bon, c'est plutôt pas mal. Là il y a un coup à jouer là. Oh là là, cette passe elle est magnifique. Oh non. Alors déjà la fin, je voulais pas la faire comme ça. Mais dommage. Bon, attention, c'est pas fini. Voilà, hop, à l'opposé. Allez, let's go. Voilà. Voilà le petit extérieur du pied. Il est là, Rodriguez. Hop. On attend un petit peu en retrait, la petite remise. Là, on fait un petit contrôle. Le petit extérieur du pied. C'est parfait. Attention quand même à la réaction de l'Uruguay. Suarez qui est pas mal sur le côté. Hein. Oh là 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 là. Il a failli la mettre la même que moi, sauf un peu plus fort. Oh oui, elle était bien partie. Hein. On est rentré dans le temps additionnel. On repart avec la petite victoire 1-0. Mais un petit but pour se mettre en confiance. Bon voilà, on a gagné face à l'Uruguay. Ça fait 3 points. Pour l'instant, on est plutôt bien parti. Le Brésil qui a gagné 3-0, donc qui va garder la première place. Oh là, ça a bien fait tourner. Bon, en même temps, plutôt cool. En même temps, il a raison. Il a raison, faut bien faire tourner l'équipe. Puisque ensuite on aura un match de Ligue des Champions. Mais ouais, ça fait pas mal tourner quand même. Hein. Allez, let's go. Le petit ballon de la Liga, elle est pas mal. Hein. Le petit visage du guerrier de Rodriguez. Allez, on est parti. On est à domicile. C'est peut-être le match de mon premier but. Oh oui, c'est le ballon là, s'il passe bien. La petite remise. Ce centre qui ne donne rien finalement. Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen de mettre le petit but. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien aujourd'hui. Je le sens bien. Oh là là. C'était pas mal ça. C'était pas mal. Oui, là, je suis trop descendu. Toni Kroos. Il prend sa chance. Oh là 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 là, dommage. J'avais fait le petit 1-2.
Ensuite j'ai frappé parce que je savais que je pouvais plus avancer, là j'allais être bloqué. Mais ouh, si ça passait, ça aurait été pas mal. Voilà, je fais les bons appels, c'est cool ça. Hop là, la petite remise. Ouais non, en fait ma passe était pas si bien que ça. Mais bon, j'aimerais bien quand même marquer en première période, histoire qu'on se fasse remplacer en seconde. Putain, mais non, mais je suis n'importe. Là. Bien joué. Bien joué ça. Allez, ouverture du score, ça fait 1-0, c'est parfait. Bien joué ça, la petite interception. Bon, après j'étais un petit peu gourmand à ce moment là-bas, mais j'ai demandé le ballon plusieurs fois. Ils m'ont pas donné, mais ils ont bien fait. Et d'ailleurs FIFA qui ont sorti, enfin Adidas avec, en collaboration avec, avec FIFA, ils ont sorti des maillots, je pense que vous les avez vus, mais ils ont sorti des maillots léopard pour Manchester. Pour le Real Madrid, c'est un maillot Galaxy. Et il y a un autre club aussi, la Juventus. Le maillot de la Juventus, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors c'est une édition limitée, donc il n'y en a pas énormément. Je pense que vous pouvez les trouver sur le store d'Adidas, je ne sais pas s'il y en a encore. Mais c'est couleur, vous savez, blanc avec couleur et un peu essence. Mais le maillot est magnifique. Regardez, si j'utilise le déplacement automatique, regardez, vous avez vu? Vous avez vu mon joueur, comment il est descendu? C'est pas si fiable que ça. Hein. Oh là 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 là. Et en plus, à cause de ça, on a failli prendre un but. Franchement, le déplacement automatique, c'est vraiment pas... Par contre, quel arrêt. Oh là 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 là. Non mais en vrai, les joueurs là, qui me laissent... Qui me contre ma frappe là, c'est quoi ça aussi? Alors qu'on revoit l'arrêt de tout à l'heure là, du bout du pied. Ouais. Bon. On prend les 3 points, c'est quand même bien. Allez, on est parti pour la Ligue des Champions. J'ai fait mes petits entraînements. Ah, mais il y avait 3 jours de repos en fait. Non, 2 jours, je sais plus. Donc normalement, on devrait jouer quand même le match. Ouais, on joue le match. Alors, au niveau de la fatigue, on est plutôt bien. On est à 100%, donc du coup, ouais, on n'a pas eu besoin d'être remplacé. Let's go, cette fois-ci, je peux vous laisser l'interface. Putain, c'est fou ça quand même. Je peux vous mettre l'interface de la Ligue des Champions, mais je peux pas vous mettre l'interface de la Liga. Non mais c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Alors pour ceux qui n'auraient pas forcément compris, en fait, quand je mets l'interface de la Liga, bah, tout simplement ma vidéo n'est pas bloquée, mais par exemple tout ce qui est monétisation, etc. de la vidéo, bah ça va pour la Liga en fait. Voilà. En gros, ils se prennent de l'argent sur nous, quoi, tout simplement. Allez, on est parti. Et puis ce maillot rouge. Oh, ce maillot rouge, je le kiffe, hein. Vraiment, j'aime énormément le maillot rouge. Enfin, en tout cas, sur le jeu, ça le rend énormément. Je sais pas si je serais capable de porter un maillot rouge comme ça, mais... Let's go, là, faut qu'on marque, là. On peut pas rester comme ça, là, sur 5 matchs, un but. Oh, attention à Lens, hein, qui est un très très bon joueur. C'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Va falloir faire vraiment attention à leur numéro 17. Oh là 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 là, Courtois, bien joué. Quoi, il y a... Oh non les gars, non. Moi je veux ralentir. Il tacle. Ce qui fait que du coup il a allongé. Et le joueur, en fait, il tombe parce que il est allongé par terre. Allez, let's go, les gars, là. Allez, les gars. Ça s'est bien fait, dommage. Allez, allez, allez. Faut qu'on se crée des petites occasions, là. Des petites actions. Mon joueur, mais... J'ai un problème avec mes contrôles de balles, c'est pas possible. Bien donné ce ballon. Oh là 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 là, mais ça va être ça tout le match là. Si elle rentrait, elle était magnifique. Allez, le long ballon de Varane. Ça passe, ça passe. Physiquement, ça passe aussi. C'est pas normal de se faire avoir comme ça. Il prend sa chance. Dommage. Le tir.
Très bonne intervention, tant bien donné. Allez, allez, on commence à mettre la pression. Faut qu'on continue. Modre. Allez, il a du champ. Oh là là, elle était magnifique la frappe là aussi. Hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Voilà, ça c'est le Real que je connais, ça, qui met la petite pression comme ça, on sent quand il y a le but qui arrive. Allez, let's go là, seconde période. Le coach, il est très content pour l'instant du match que je fais. Mais ça joue bien en face, hein, vraiment, franchement, ça joue plutôt bien. Attention parce que Lens là-bas, là, avec son numéro 17 là. Voilà! Le voilà, mon premier but sous le maillot du Real Madrid. J'ai pas cherché à comprendre. Hein. Alors là, il m'a donné le ballon. J'ai fait rond. J'ai fait rond. J'ai pas cherché à chercher le contrôle ou quoi. Bon, un petit contrôle, mais. Enfin, il est là. Le voilà. Bon, c'est pas le plus beau but du monde, mais ça passe quand même entre les jambes du défenseur. Et Masuaku, franchement, il me plaît bien lui aussi. Hein. Et en vrai, ils ont vraiment des bons joueurs. Hein. Lens, Masuaku. Ah non, non, franchement, ils ont une belle équipe. Hein. Ça, c'est noté, ça. On sait jamais si on partirait sur une carrière manager l'année prochaine. Oui, je réfléchis hein, toujours à vous faire une carrière manager. Comme je vous dis, pour l'instant, je n'ai pas l'envie, mais il y a peut-être moyen que ça arrive. L'année prochaine. Et c'est plutôt cool, je découvre des joueurs. Enfin, Lens, ouais, je connaissais un peu, mais. Ah, dommage, j'arrive pas à lui donner à James Rodriguez. Oh. Ah, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Dommage. Est-ce qu'on aura une dernière. Non, on n'aura pas de dernière occasion. Et ben voilà, victoire! 2-1, on donne la victoire à l'équipe. On a enfin marqué 2 buts. Et voilà, j'ai toujours le même commentaire. C'est, voilà, essaye de passer le ballon plus tôt que le rendre à l'adversaire. J'ai tout le temps ce message. Je garde trop le ballon, je perds trop le ballon. Alors des fois, je perds le ballon parce que c'est sur un mauvais contrôle. Je voulais juste voir un petit peu le meilleur buteur, c'est Suarez. Ok, ok. Le meilleur passeur, et eh ben c'est nous. C'est nous le meilleur passeur. Voilà, avec Aubameyang, hein, Aubameyang qui a signé à l'Atlético Madrid, c'est vrai. Au niveau du calendrier, alors on se retrouvera où on se retrouvera pour... Il y a le Classico. Il y a le Classico. En plus, on a le Brésil. Le Milan. Oh ouais, on a des beaux matchs. Hein. On aura une match de Coupe d'Espagne aussi. Pour l'instant, on ne sait pas. Et ben, on se retrouvera pour le match de Ligue des Champions. Voilà. Franchement, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ouais. Comme ça, moi, je vais jouer mes 3 petits matchs là. Un beau petit programme. Pour les prochains épisodes. Donc voilà en tout cas pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Encore merci d'être super nombreux sur chaque épisode. Franchement c'est un kiff. Merci d'être super présent. Et on se retrouve très très vite pour la suite. Ciao tout le monde.